Chérif Salif Sy, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire, ancien haut fonctionnaire, ancien même ministre dans l'équipe de WAD. Vous êtes un homme d'expérience et un homme surtout de réflexion. Vous avez longuement analysé l'Afrique dans ses aspects économiques. Comment aujourd'hui, pour peut-être démarrer cet entretien sur une ouverture large, comment aujourd'hui appréhender cette Afrique-là, l'Afrique qui est à la croisée des chemins? Merci beaucoup pour cette question intéressante et souvent soulevée. Je crois que effectivement la situation de l'Afrique est préoccupante en même temps qu'elle suscite un certain nombre d'espoirs. Mais malheureusement, si nous restons dans l'agriculture, il est clair que les réponses ne sont toujours pas à la hauteur des défis, tout simplement parce qu'il n'y a pas une stratégie d'industrialisation et de développement de l'agriculture articulée justement sur les transformations structurelles vers l'industrialisation. L'agriculture, pour l'essentiel, a servi jusqu'ici surtout à exporter certaines productions locales, alors que l'agriculture devrait être un levier du développement et de l'industrialisation articulé au secteur des transformations. L'espoir est permis néanmoins. Depuis quelques années, c'est la production agricole africaine qui nourrit de plus en plus les Africains. Oui, mais aujourd'hui, on est en retard par rapport à cette volonté d'aller vers une agriculture qui soit dans cette richesse dont on parle de 60 millions de terres arables en Afrique, c'est-à-dire que c'est un continent de tous les possibles et toutes les richesses sont là. Mais pourquoi les États tardent tant à entrer dans ce cycle et l'amplifier surtout? Je crois que ce n'est pas seulement un problème de disponibilité de terres arables, mais même lorsque là où la terre est effectivement exploitée, la faible articulation entre l'agriculture et l'industrie n'a toujours pas entraîné l'amélioration de la productivité et du revenu paysan. C'est ça le grand problème. Et en cela, vous avez parfaitement raison. Si vous prenez la plupart des pays, depuis une vingtaine d'années, malgré tous les efforts, les sommes investies, la valeur ajoutée du secteur agricole est stagnante quasiment. Et c'est le cas du Sénégal. Alors ça, je crois qu'il faut se redresser et s'en occuper. Ce n'est pas possible de continuer ainsi, surtout qu'aujourd'hui, nous vivons une rupture des chaînes d'approvisionnement internationales et que dans tous les discours, la volonté, le désir, c'est de repenser à des chaînes, disons, locales, c'est-à-dire commerciales localement. Donc, il y a un problème de terre insuffisamment utilisée. Il y a un problème aussi d'absence de productivité lié à l'insuffisance de la formation dans le domaine de l'agriculture. Prenons l'exemple du Sénégal. J'avais visité notamment le nord vers le fleuve Sénégal. C'est une richesse, c'est une région d'une richesse inestimable. À l'époque où j'étais en visite, ça concernait à peu près 15 millions d'habitants, mais c'est la région la plus pauvre. On est frappé par ce paradoxe. Mais oui, parce que comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de problèmes dans le secteur agricole. D'abord, une politique agricole, encore une fois, articulée vers l'industrialisation du pays, mais également le problème de qualification. Le gouvernement, ayant compris le problème, avait créé en son temps une structure comme l'Agence nationale de conseil agricole et rural, ce qui diffusait justement les savoir-faire nouveaux, l'intelligence et les innovations, l'amélioration des terres, etc. Mais le retard pris est colossal. Le retard pris est très important parce qu'on s'est focalisé sur les petites industries dans les centres urbains. Et c'est ça qui explique aussi le déplacement de quantités si importantes de jeunes des zones rurales vers les zones urbaines, créant un chômage massif que nous connaissons avec les conséquences prévisibles. Rassurez-moi, on dit toujours les mêmes problèmes, problèmes d'employabilité, problèmes de chômage, problèmes de formation, problèmes de l'Afrique.
est-ce que vraiment l'Afrique avance et à quel rythme? Parce que on a l'impression de répéter la même chose d'année en année. Mais il y a des efforts qui sont faits, on les salue, mais dire que l'Afrique avance de cette façon-là, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire le rythme est extrêmement lent. Le PIB, son augmentation est extrêmement lent par rapport aux pays asiatiques, parce que simplement nous n'avons pas suffisamment misé sur une agriculture moderne, une agriculture qui utilise l'énergie et les nouvelles machines et qui forme les paysans. D'ailleurs, la notion de paysan que nous continuons à employer est très significative dans ce contexte, au lieu de parler véritablement d'agriculteurs formés avec les outils modernes, les outils donc, qu'il faut utiliser. Et la question énergétique qui devrait être à la base de la modernisation de l'agriculture soulève beaucoup de problèmes. Si nous comparons avec nos concurrents asiatiques, on le voit, 75% de l'énergie commerciale distribuée va dans le secteur productif dans l'agriculture. Et chez nous, en Afrique, au sud du Sahara, c'est l'inverse. 75% de l'énergie commerciale distribuée, c'est pour le loisir et l'éclairage domestique. Ce n'est pas possible, on ne peut pas se développer comme ça. Il faut se pencher sérieusement sur le développement de l'agriculture pour en faire un objet de création de richesses, mais d'épanouissement complet de l'homme également. Et c'est là où il y a, encore une fois, des failles considérables, malgré les grandes annonces des chefs d'État. Même si je reconnais les efforts qui sont faits, ils sont en deçà, encore une fois, des défis qui assaillent cette partie du monde. Michel Condessu, l'ancien directeur général du FMI, lors d'une rencontre avec lui, il me disait « il faut savoir réformer à temps ». Est-ce que l'Afrique aujourd'hui est encore dans cette phase-là? C'est-à-dire que l'Afrique s'est-elle réformée à temps et tire-t-elle suffisamment les enseignements de ses erreurs surtout? Mais quand la réflexion et les réformes se font de la façon que nous connaissons, c'est-à-dire quand ça ignore le caractère global de ce qu'est le développement, ça produit ce que nous avons, des réussites par-ci, des échecs par-là. Et c'est le cas de l'agriculture, de l'industrie et des autres secteurs. Il y a un investissement massif, par exemple, par les temps qui courent, dans les infrastructures, notamment agricoles. Mais ce n'est pas dans un cadre d'une vision globale, c'est désarticulé. On sème une graine par-ci, on sème une graine par-là, alors que tout doit être articulé. Et en cela, Michel Condessu a parfaitement raison. Les secteurs qui doivent porter le développement aujourd'hui sont isolés, en tout cas dans la réflexion et dans la conception des programmes, du reste de l'économie. Ce qui fait que nous sommes comme un canard boiteux. On injecte de l'argent, on ne récolte pas les revenus, en tout cas les ressources attendues. Il faut intégrer l'agriculture et l'industrie dans le développement économique et social en général. Je crois que c'est ça qui nous manque encore une fois. Pour éviter les généralités sur l'Afrique et des généralisations, quels sont les pays qui ont pris la bonne trajectoire pour leur développement? On le sait, on peut pas. L'Afrique est contrastée. Et comment aujourd'hui appréciez-vous les expériences et celles qui marchent le mieux? Celle que je connais le mieux, même si je suis sénégalais, je dois admettre qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits. Et cela est peut-être dû à la façon dont le pays est organisé, où depuis maintenant une vingtaine d'années, le gouvernement ne peut plus s'asseoir seul dans son coin et définir la politique agricole. Toutes les organisations fêtières sont impliquées, l'Institut de recherche est impliqué, ceux qui s'occupent de la terre sont impliqués, et il y a un mouvement d'ensemble qui fait, comme je l'ai dit au début de mon intervention, le pays, comme quelques autres, comme le Rwanda et autres, sont en train d'être nourris par la production locale. Je crois que ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi l'innovation scientifique et l'innovation technologique. Ces pays, le Rwanda, le Sénégal, c'est des pays qui investissent beaucoup dans la propriété intellectuelle et nous savons que cela est important dans le développement de l'agriculture. Les formations, aujourd'hui, cela va de soi. On ne peut plus développer un programme sans formation pour le développement agricole. Mais je le dis encore une fois, le retard de l'Afrique est très important. Je ne veux pas
passer mon temps sur les rétroviseurs avec l'ajustement structurel et autres qui ont eu un impact quand même décisif dans la destruction et de la mort de l'industrialisation qui était amorcée, mais également dans le développement agricole. Mais ça commence à être loin de nous. Il faut surtout situer la responsabilité des États. Je crois que les efforts sont faits, mais l'autre aspect qui me paraît très, très important pour l'agriculture au sens large, c'est-à-dire y compris l'élevage et le reste, c'est qu'il n'y a pas, je ne vois dans aucun de nos pays, une réelle stratégie de mobilisation des ressources internes. La mobilisation des ressources se fait toujours sur les ressources extérieures et ça, c'est un danger. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec la rupture des chaînes de valeur mondiales, nous sentons véritablement cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Je crois qu'il faut mobiliser les ressources intérieures et les affecter au secteur que les gouvernements eux-mêmes appellent prioritaire. Il y a le secteur agricole et il y a la formation à l'agriculture. Donc, il y a ces deux exemples qu'on peut citer. Il y a le Kenya, que j'ai eu l'occasion de visiter après une invitation de la CNUSEL, qui est en train de mettre en place une stratégie de développement agricole du Sénégal. J'ai été là-bas pour l'expliquer. Mais partout, globalement, sur le continent, les résultats sont insuffisants parce qu'il y a de plus en plus d'exode rural, parce que les moyens suffisants ne sont pas mis à la disposition de l'agriculture. Il y a enfin la dépendance à la pluie. On ne peut pas développer un système agricole avec 3 mois à peine de pluie. Et il faut compter sur d'autres ressources hydriques, les ressources du sous-sol, etc. Tout ça, c'est un problème global qu'il faut reconsidérer en revoyant, en retournant la tête un peu, ne pas tout le temps penser aux exportations, mais développer véritablement, localement, les forces productives, y mettre les moyens, en commençant par la mobilisation des ressources internes pour le développement de l'agriculture, de l'industrialisation de nos pays. Mais vous savez, depuis longtemps, on fait les constats, les bonnes pratiques, l'Afrique sait les répertorier et les mettre en rapport et en action, pourrait servir à ce développement. Pourquoi aujourd'hui on est toujours dans ce décalage? Mais parce que simplement, il y a l'inspiration et la détermination, et je suis désolé de le dire, de la détermination par l'extérieur. Quand la déclaration de politique générale du gouvernement mise en place a moins d'importance que la feuille de route du Fonds monétaire ou de la banque qui ont d'autres préoccupations, c'est-à-dire toujours gérées par la contrainte budgétaire, la marge de manœuvre des États qui ne veulent pas se rebeller, évidemment, elle est faible. Or, je crois que l'économie, c'est un pari. On ne peut pas continuer à gérer nos pays sur la base de la crainte des déficits par-ci, des déficits par-là. Il faut oser se lancer, prendre ses responsabilités en investissement dans la formation de l'agriculture. Par exemple, le Sénégal, le Mali, il y a encore quelques années, s'inspirait très fortement sur le plan du Maroc vert. C'était une expérience africaine, mais une expérience qui avait son intérêt. Je crois qu'il faut recentrer ça, que les pays africains définissent eux-mêmes leur programme, utilisent les ressources humaines et les mettent en œuvre. Mais ils pèsent sur tous nos gouvernements la feuille de route des institutions économiques et financières internationales, dont les objectifs sont autres. Il faut que desserrer justement cette pression de ces institutions, et peu d'États osent le faire. En tout cas, depuis 2018, ça change. C'est la première fois sur le continent qu'on voit des chefs d'État dire ouvertement à ces institutions « Nous ne pouvons plus vous suivre de cette façon-là. Donnez-nous la parole et laissez-nous faire. » Mais ces institutions, aujourd'hui, sont prises d'assaut par des Africains, l'OMC par une Nigériane, IFC par Makhtar Diop, qui est votre compatriote, et bien d'autres. Comment peut-on aujourd'hui être dans ce type d'accusation? Est-ce que c'est recevable? Mais ça ne veut rien dire, ce sont des compétences mondiales ou des compétences internationales. Mais les politiques qui y sont définies, ce ne sont pas les politiques africaines, ce sont les politiques internationales déterminées par les grandes puissances internationales. Alors qu'il y ait des Africains ou des Occidentaux, ça ne change absolument rien. La mondialisation n'efface pas les États. Et c'est dans les frontières des États, d'abord par la loi, par la planification, qu'on prend les décisions pour le développement.
Et c'est ce que nous ne faisons pas. La logique de ces institutions internationales s'inscrit toujours dans la stratégie de rattrapage. Or, le développement, ce n'est pas une graine qui a poussé en Occident, qu'il suffit de prendre, de planter dans les pays africains pour que ça pousse. Non, il faut que la stratégie de développement dans tous les secteurs soit suggérée par les pays eux-mêmes, à travers leur histoire, les handicaps connus, les partenaires internationaux potentiels, et c'est ça, c'est comme ça qu'on construit le développement. Et nous n'y sommes pas encore, c'est ce qui est véritablement regrettable. Mais il y a une amorce, encore une fois, une amorce avec la diversification des partenaires. Mais la diversification des partenaires, en se tournant vers la Turquie, vers l'Inde ou la Chine, suppose aussi la responsabilité. Il faut, lorsqu'on choisit de nouveaux partenaires, être capable de décider de ce que l'on veut, mais ne pas subir le partenaire. Et encore un point de faiblesse du continent africain. Le continent africain vraiment attire plein de puissances. Je peux citer, c'est rare dans d'autres parties du monde, Chine-Afrique, France-Afrique, Japon-Afrique, Afrique-Turquie, et j'en passe. C'est-à-dire que il y a énormément de gens qui veillent sur cette Afrique et cet intérêt pour l'Afrique. Mais les Africains tirent-ils concrètement avantage de tout cela? Pas du tout. Moi-même, j'ai été expert à la Commission de l'Union africaine sur les relations avec les BRICS. Le malheur, c'est que les pays africains, dans le cadre de l'Union africaine, ont leur plan stratégique et leur stratégie de développement. Malheureusement, avec les partenaires, chaque partenaire vient briser la stratégie et le schéma de développement retenu par au niveau sous-régional et au niveau continental. Et c'est cela qui n'est pas acceptable. Chaque partenaire a sa stratégie d'industrialisation qui fausse complètement la stratégie retenue pour l'Union africaine. Ça aussi, ça montre qu'il y a une irresponsabilité et malgré les sommes investies par ces partenaires, ça ne donne toujours pas les résultats attendus. Et lorsqu'il y a un schéma défini par l'ensemble des États, au niveau sous-régional, au niveau continental, il faut être capable de suivre ces chemins, mais ne pas laisser ces chemins à chaque fois brisés par le schéma des autres partenaires. Par exemple, nous avons des zones économiques définies dans le cadre de l'Union africaine, mais les États, par manque de ressources, baissent les bras et un peu partout, la Chine est en train de casser le schéma de développement des zones économiques en imposant ces zones économiques spéciales. Évidemment, si vous voyez le chevauchement maintenant, les schémas indiens, les schémas turcs, ça montre que le continent n'avancera pas dans ces conditions. Mais qu'est-ce qui la responsabilité de l'audace. Oui, mais qu'est-ce qui empêche les Africains d'être les meneurs, d'être en tout cas les gens les plus comme une sorte de locomotive pour guider ces pays qui s'intéressent à l'Afrique. On est toujours étonné par en tout cas cette absence de se prendre en charge, non? Lorsqu'on n'a pas une stratégie locale de mobilisation des ressources internes et qu'on compte sur les ressources extérieures, on a peur de les perdre ou de ne pas en avoir assez. C'est ça qui fait que cette crainte et qui fait que les États se soumettent. C'est une affaire de servitude volontaire. Les États se lient, point et lié, aux partenaires qui sont capables de leur donner les ressources financières et monétaires. Mais c'est ça qui fait qu'on est dans un cercle vicieux. C'est cela qu'il faut rompre. Et je l'ai dit encore une fois tout à l'heure, le développement, c'est de l'audace. L'audace, ensuite, l'étape suivante, c'est la mobilisation des ressources internes. Et il y a énormément d'argent. Vous venez de dire une chose très intéressante. La région Afrique au sud du Sahara offre les meilleurs taux de rentabilité des projets. Tous, ils le savent. Mais quand c'est désarticulé, quand il n'y a pas d'offre, le partenaire, il s'exprime. Il dit ce qu'il veut. C'est pour ça que je ne veux pas simplement me contenter de situer les responsabilités. Mais la partie africaine, mais ne dit jamais rien, elle subit, elle ne dit pas effectivement ce qu'elle veut, comment elle le veut. Ça, c'est un problème. Donc, ça veut dire que tant qu'il y a ce problème de leadership, l'Afrique, n'ouvrira pas sa propre voie pour le développement. Prenons les pays les plus puissants en Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. En 1960, le revenu réel par tête était de 1 300 $ par tête d'habitant.
Mais aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, il est d'à peine 1500, au Sénégal, 1400. Ça veut dire que ça ne bouge pas du tout. Il est stagnant depuis 60 ans. Donc, la création de richesses additionnelles, elle est stagnante qu'on ne met pas en place les politiques qu'il faut mettre en place. Et ça, il faut le changer. Je ne perds pas espoir parce qu'il y a de plus en plus de dialogue entre des entités qui ne voulaient pas se parler. Les États ne voulaient pas parler aux sociétés civiles. Aujourd'hui, on parle. Les États parlent avec les sociétés civiles, avec les universités. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ce que attendent les Africains et la population, c'est des résultats tangibles. Oui. Est-ce que, pour terminer cet entretien, même si il y a plein de d'autres sujets qu'on aimerait traiter, c'est-à-dire que est-ce que l'Afrique sera au rendez-vous de la révolution numérique, parce que ça, c'est peut-être aussi une chance pour faire le saut générationnel qu'il faut, non? Le Sénégal fait des investissements très, très intéressants ces dernières années, mais il y a un point de faiblesse, encore une fois, si nous comparons avec les pays asiatiques qu'on appelle les émergents. Dans ces régions du monde, le taux d'investissement et le taux d'épargne, les deux en même temps, dépasse très souvent 35% relativement au PIB. Au Sénégal, le taux d'épargne, il demeure faible, autour de 20%. Le taux d'investissement, 23-25%. Cela veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Malgré les investissements qu'on nous montre comme ça, montrer des investissements, ça n'a de sens que si cela est corrélé par le PIB, la richesse créée. Et encore une fois, ça, c'est des indicateurs qui montrent que d'abord, les efforts sont dispersés, ne sont pas inscrits dans une logique globale de développement et d'industrialisation du continent, mais qu'en plus, on ne se penche pas sur d'autres aspects comme la question énergétique, les véritables orientations. La question énergétique est un problème de fond, je crois, que sur laquelle il faut réfléchir, ne serait-ce que par ce que permet assez d'énergie pour l'utilisation des TIC. Donc, je crois qu'il faut qu'on y pense pour penser, pour développer autrement nos différentes régions et cesser d'éblouir par des stades nouveaux, par des investissements nouveaux, même si c'est utile, d'éblouir les populations urbaines. Le problème, c'est la modernisation aussi du monde rural. On a malheureusement la contrainte du temps. On aura peut-être l'occasion dans d'autres moments pour pouvoir réévoquer ces sujets. Chérif Salif Sy, je rappelle que vous êtes un économiste, un ancien conseiller, ancien haut fonctionnaire et un homme surtout de réflexion et un universitaire de talent. Je vous remercie d'avoir été avec nous et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie infiniment pour tous les efforts et cet amour pour le continent et l'humanité en général qui est votre marque. Merci beaucoup. Merci, au revoir.